Bonjour à vous YouTube, bienvenue sur la suite de The Milch Cap. Alors, on est tout petit, on est dans une maison, on vient de trouver un mini-niche qui vient de nous dire une énigme qui nous permettrait de trouver un objet qui nous permet de pousser des lourdes charges, donc c'est exactement ce qu'on veut. Problème, c'est une énigme quoi. Et moi je suis nul aux énigmes. Alors, passe le pont sur le torrent, par-delà les terres des fauves, proche de la cascade du fort, proche de la cascade au fort courant. L'entrée qui te mènera au trésor. Et à partir, il faut partir de cette maison. Je sens quand même. Du coup, ça nous permettrait d'atteindre là-haut. Parce qu'on pourrait pousser. Je vois. Du coup, là, ça nous apporte rien de plus. Un assemblage de fragments ? Ouais, d'accord. Ah oui, tu as raison, il faut sans doute parler au. Parler au chat dans notre maison. Tu as raison. Enfin, peut-être pas au chat, parce que le chat ne parle pas, parce qu'il est un peu énervé, le chat. Pas parce que... Non, c'est... Attendez. Parce qu'en fait, il y a un... Parce que le chat peut lui parler, en fait. Ah si. Un assemblage. Ouh, je veux bien. Ça marche avec ça. Les deux fragments sont assemblés, la chance de peut-être vous ouvrir. Ah ça c'est au palais d'Hyrule. What? Qu'est-ce que c'est? Ils ont fugé, c'est dans la partie bonheur. Bon, on va aller voir le chat là dans notre maison. En espérant que le feu soit pas rallumé. Non, c'est bon. Un assemblage de fragments? D'accord. Ah bah j'en ai encore un. Et les deux fragments sont assemblés. Bon bah c'est où ça? Cité d'Hyrule. Ok, j'en suis encore loin. Je suis jamais allé par là. Tu as créé un serpent ou quoi? Ça ressemblait à rien. Mais c'est clairement un serpent. Un serpent en or. Bon voyons ce chat là qui a beaucoup trop énervé. Un assemblage de fragments? Je crois bien. Ah putain, je l'ai plus. Bon, Osef. Non, mais de toute façon, c'est pas ça. À mon avis, il faut bien pousser ce truc là. Mais alors, comment? Enfin, avec, en fait, il faut pousser avec le truc de l'énigme là. Mais il faut déjà répondre à cette énigme. Hop là, le mec il voit un gars apparaître dans sa maison, il s'en bat les couilles. Ok. Parce que là, en fait, vous voyez, c'est ici, il faut pousser. Mais le problème, c'est que moi, je peux pas pousser, je trouve. Bref. Du coup, il y avait l'énigme, la fameuse énigme, le torrent, le machin là. J'ai pas tout compris. Bois de l'Ouest. Alors c'était ici. Il nous parlait de quoi? D'un torrent. J'aurais dû la noter. Est-ce que c'était là en fait? Bon lui il passe en son temps pour nous se merde. Mais nous on va le faire. Je suis pas allé ici. Est-ce qu'il y a des trucs en mini-niche que j'ai pas fait encore? En tant que mini-niche. Je vais pas le truc. Hein. Je suis pas allé de là par exemple. Je peux pas y aller. Bah ouais t'es tout. On va essayer de voir dans le château là. L'espèce de serpent que j'ai fait spawner. Je crois que l'Ira s'est perdu. Je suis complètement paumé là en fait. Ah je peux pas y aller parce que. Il y a le putain de. Ce putain de bandit encore. Ah voilà. Mais là je suis perdu là en fait. Bon. Je vais tricher. Je vais pas tricher mais. Sanctuaire. Ok, c'est bon, j'ai vu ce qu'il fallait faire. En fait, il faut que j'aille, faut que je retourne en ville pour acheter le boomerang. Qu'ensuite j'aille chez Tenshin là, qui m'apprend une nouvelle technique à l'épée. Une fois que j'aurai ça, je pourrai aller dans le château d'Hyrule. Parce que en fait, je savais qu'il fallait aller au château d'Hyrule, mais comme je me faisais refouler, je savais pas.
savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Alors, ça doit être ici le. Voilà, donc là je veux ça. Mec. Tiens. Un boomerang pour 500 rubis. Parfait. Ah super, j'ai 500 rubis. Effectivement, il court partout en faisant ah ah, en espérant que William Charitable le ramène à sa mom. Il n'a pas de merde d'ailleurs. C'est ça qui est fou. Trop bien, j'adore le boomerang. C'est où j'étais Tenshin déjà? Mais c'est là en fait. C'est pas là. Ah, je peux jouer avec ça des joueurs du jeu. Nice. Mais c'est TP. Et on dirait que tu as progressé. Eh bien, si tu le souhaites, nous pouvons reprendre ton entraînement. Veux-tu poursuivre ton entraînement? J'en sais rien. Sa maman est morte. Ah d'accord, oui. Écoute bien, voici une nouvelle technique, l'attaque brise-roc. Premièrement, frappe à rocher ou un pot avec l'épée. Et voilà, c'est tout. Tu as compris? Bien, très bien. Si tu n'as pas compris à ce niveau, je n'aurais pas su quoi faire de toi. Mais technique d'épée peut s'apprendre qu'avec la pratique. Comme la dernière fois, je vais prendre le contrôle de ton corps. Voici la technique. Contrôle! Avec ça. Waouh! Piou! Allez, cette fois, c'est vraiment à toi. Tu as qu'à briser avec ton épée, c'est tout. Waouh! Je te remets ce précédent. Ok. Je peux péter les rochers maintenant, ça c'est bien aussi. Et les pots, ah, surtout les pots. Ça fait du bien ça. Bon, bref. Du coup, maintenant. Je peux aller. Non! Il revient toujours sur moi! Casse-toi! Regardez, on dirait vous. On dirait les viewers. Casse-toi, le viewer! Ah! Ah, Inarman est trop beau! Ah, prends mon argent! Non! Prends mon argent! Ah! Let's go, boys! Let's do this! Où je vais tout droit. Ah, les gardes, ils s'en battent les couilles. T'as un gamin, il arrive, il balance des boomerangs dans tout le château. Et les gars sont là en fait, allez toi ta journée, ça a été. Ouais, super. Bon, je vais tout là, hein, j'imagine. On va parler au roi. Heureux de te revoir, Link. As-tu réussi à recréer l'épée sacrée? Comment? Le sanctuaire? J'ai jamais entendu parler d'un tel endroit dans mon château. Tu veux assembler nos fragments? Oh! Avec le roi, ma gueule. Allez, j'ai un fragment qui est dans la chambre avec le roi. Allez, vous pouvez pas en dire autant, vous. Allez. Qu'est-ce que ça fait? Boum. Explosion, mec. Super. Bon, ça, c'est chez moi. Eh bien, je crois que nous avons réussi. Salut, voilà. Bon, je pense que le sanctuaire doit être... Je t'en prie, libère la princesse Zelda et c'est ta fausse malédiction. Je pense que le sanctuaire doit être dans le sous-sol. Je pense. C'est une déduction, hein, comme ça, mais. Je suis sûr qu'il faut descendre. Genre par là. Voilà, après je dis ça. Je sais rien. Attends. Genre là. Franchement, si l'entrée est obvious, que le mec... Et le roi qui me dit... Je n'ai jamais entendu parler d'un tel sanctuaire, je ne sais pas où est l'entrée. Juste en dessous de toi, mec! Il y a un patio! Je veux dire, tu t'es... T'as forcément dû à un moment ou à un autre t'intéresser au plan de ta maison. T'as pas vu qu'il y avait un trou? Non, bon. Apparemment, on a vu que tu la vois pas. Ah, d'accord. Ah, ouais, non, mais là, faut vraiment être con. Ah, non, mais excusez-moi, mais là, non. Tu peux pas juste dire une explication comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Je suis sûr qu'il faut faire ça. Bon, c'était stylé, hein. C'est un donjon, par contre. C'est un donjon. Ah. Yo Ruby, c'était bien chez LKG. Ruby a essayé de faire une heure LKG, une heure moite. Voici donc dans le sanctuaire. C'est ici qu'on peut imprégner l'épée du pouvoir des éléments. Regarde, il y a un socle au centre qui nous servait à placer l'épée.
Moi, c'est ça qui m'intrigue en fait. J'ai pas envie de passer mon épée. Bof bof. Voilà quoi. Même s'il peut pas l'avoir, elle existe. C'est pas fou. Ah, du coup, j'ai réussi à mettre deux éléments dessus. C'est pas mal ça. Ah, elle est violette. Non, elle est pas violette. Super. Il était pas coiffé. Vous avez imprégné l'épée des forces de l'élémentaire et de l'élément feu. Trop bien! Voyons un peu ce que ça dit. Concentre l'énergie de l'épée et marche sur les dalles lumineuses. C'est sûrement les dalles qui sont là. Tu devrais essayer de marcher dessus en maintenant le bouton de ton épée. Super, je me trompais. Aha! Waouh, tu t'es dédoublé! Voici donc le pouvoir de l'épée blanche. Tu vas pouvoir créer des doubles de toi-même grâce à ces dalles. Génial. Je suis vraiment ravi. Donc si le mec s'appuie sur le mur, il passe à travers. Wesh, ouais, ah, et là du coup on peut faire ça. C'est tellement long. Hein. C'est tout. Ok. Je pensais que les statues allaient s'animer et que j'allais partir en couille, mais non. Et du coup maintenant je fais quoi? Maintenant je fais quoi en fait? Je vais voir le chef. Je vais voir le roi, je lui dis MDR, j'ai trouvé le truc, c'est dans ton sous-sol, vas-y prends des bombes et explose tout gros. Alors pour faire fonctionner le système, il faut prendre un flacon d'eau et le poser dessus. De quoi? De quoi tu parles? C'est une blague. Comment? L'entrée du sanctuaire se trouve dans le jardin du château? Nous n'y avons pourtant jamais rien vu d'autre que les fleurs et les murs. Bien, il n'en manque plus que deux éléments, je compte sur toi, Link. Oh, c'est tout. Ah, mais c'est vrai qu'elle est là, l'autre, regardez. Zelda, elle est là. J'avais même pas vu qu'elle était là, genre en mode. Ils l'ont mis, mais dans la salle, tu vois. Et tu es une fée. Ruby, qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu l'esprit, arrête. Stop. Stop, arrête, stop. Oui. Oui, monsieur Zelda. Bah, parce qu'il veut se la faire, parce que c'est son avis. Ah, casse-toi le fat boy! Alors du coup, il y a plein de trucs où il y avait ces zones au sol. Bah, je vais y aller. Bon, t'es pas ouvert, toi, parce que j'ai débloqué un truc là. Oui, le flacon ne contenait pas une fée avec l'eau, ça marche pas. Ok, c'est sa fille, mais elle semble bien mieux en statue. Soit qu'il y a une mémoire de pieux, il se souvient pas. Quoi? Ah, mais c'est. Mais oui, c'est bon, je me souviens maintenant. Ah, ouais, Ruby, ouais, fais la maline. Merde, j'ai pas lu. J'ai pas lu! Ah, parce que Ruby, la dernière fois, m'avait fait gâcher de l'eau. Enfin, m'avait fait gâcher une fée. Prendre de l'eau de merde pour éteindre un feu qui était inatteignable avec de l'eau. Ah, Ruby, je m'en souviens. Putain. Vati, espèce de petite vermine. Toujours sous cette forme pitoyable, alors, ma magie vous plaît-elle? Rien ni personne ne pourra briser la malédiction que je vous ai jetée. Je vois que tu n'as pas changé. Je n'ai pas fabriqué ce chapeau pour servir tes sombres desseins. Un chapeau qui exauce les vœux de son porteur. Quel objet formidable. Grâce à lui, je suis devenu un être exceptionnel, un sorcier invincible. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver la force. C'est à vous que je le dois. Acceptez ce modeste gage de ma gratitude. Attends, ne t'en fie pas, Vati. Oh! Vous êtes moche! Ils sont très cons. Tiens! Tiens! J'avais fait un super dessin, c'est vrai. Maudit Vati, qu'est-ce qu'il mijote encore? Link, je te dois quelques explications. Vati et moi sommes des miniches. Je suis un sage renommé dans notre monde. Vati était mon disciple. Il était fasciné par le côté obscur du cœur des humains. Un jour, il a volé le chapeau à vœux que j'avais fabriqué pour les humains. Ah, on va tout comprendre maintenant. Waouh, BGM, c'est déjà psychique. Vati, que fais-tu là?
Allez. Vati, que fais-tu avec ce chapeau? Je suis devenu un grand sorcier. J'ai acquis un pouvoir incomparable. Célera, qu'est-ce que tu manigances? C'est cette année que doit s'ouvrir la porte. Une seule chance par siècle. Je vais m'en emparer de la force. Je vais m'emparer de la force et devenir un être divinement parfait. Pour plus personne ne pourra m'arrêter. Ah, explosion McLubet. C'est quoi la polémique Bill Happy? Mais non, c'est juste parce qu'en fait tu ressembles à Bill. À Bill Bonzet. Physiquement. Du coup c'était rigolo parce que la dernière fois que je regardais ton live, je fais ah c'est marrant, on dirait un petit Bill Bonzaï. Voilà. Réduire un tel état, même vous, maître Excello, vous ne pourrez pas faire grand chose. Sur ce, je vous laisse. Il l'a transformé en chapeau, le fils de pute. Tu dois certainement connaître la légende des Minish, celle dans laquelle ils offrent aux humains une épée et une lumière d'or. Ces deux présents sont en fait l'épée Minish et la force. La force est une source de magie inépuisable. Si Vati venait en s'en emparer, ce serait une catastrophe. J'étais venu dans votre monde pour arrêter Vati lorsque je t'ai rencontré. Il semblerait que la malédiction qui m'a frappé ne puisse être brisée. Mais avec l'épée sacrée, nous devrions pouvoir sauver la princesse Zelda. Je me sens responsable de ce qui lui est arrivé. Je t'aiderai jusqu'au bout. Très bien, chapeau. Très bien, chapeau. Bon, assez parlé du passé. Allons chercher l'élément suivant. Okay. Ah bon, puisqu'il lui ressemble au petit Bill. Bah ouais. Enfin, moi je trouve, c'est ses persos, mais je trouve. Du coup, faut qu'on aille là, mais il nous faut un fragment qu'on n'a pas. Et il reste ici. Donc je pense qu'il faut aller ici, donc en bas, à gauche. On va essayer. Alors avant, je vais juste aller voir dans la cité des rues parce que il y avait là, le truc en bas là. Le seul problème, c'est qu'à mon avis, il nous faut l'élément pour pousser. Vous comprenez rien à ce que je dis, mais vous inquiétez pas. En gros, voilà. Là, du coup, on peut faire ça, on peut créer nos doubles. Mais est-ce qu'on peut pousser du coup ça? On peut pas. Vous voyez, c'est le problème. Ouais, etc. Bref, je voulais quand même essayer. Tu vas dans ma zone préférée, je crois. D'accord. Bah écoute, on va bien voir. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Je vais aller voir. Donc en bas à gauche. Alors par contre. Ah, on va en profiter pour retourner vers chez nous. Je peux faire attention. Pour aller récupérer le... Voilà. Le coffre. On a fait spawn un coffre. Alors par contre c'est où? Donc là c'est là où on... enfin c'est par là où on doit aller. Moi je veux juste aller récupérer le coffre qui doit être ici. Voilà. Farpètement. Super. Super. 200 coquillages surprise. Je suis vraiment ravi. Je suis ravi. Vraiment. Waouh. Bon, bref. Pourquoi ça brille ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Mais t'es débile ou quoi, Link? Putain, je peux pas passer par là. Ça brille, ça veut dire que je peux me transformer, mais je peux pas. Pas enlever l'herbe. En fait, il faut que je trouve un moyen d'enlever le. Enfin, de couper l'arbre tout simplement. Ouais, donc je pense que ça s'enlève avec justement les fragments ou genre de conneries. Bref, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Les coquillages surprise, c'est pourquoi déjà? J'en ai aucune idée pour l'instant. Mais je pense que c'est pour échanger avec des marchands, etc. Des objets un peu spéciaux. Mais pour l'instant, j'en ai aucune idée. Enfin, je crois pas qu'il l'ait dit. Ouais, tout ça pour dire que c'est la merde. Parce que je sais pas où aller. Ouch. Ok, rien ici. Là ça sert à rien, on va passer au-dessus. Je peux pas aller au bois de l'ouest.
pas aller là en fait. Comment j'atteins cette zone? Parce que cette zone là, c'est enfin ça peut être par les cascades de Serra qu'on l'atteint et je sais pas du tout. Mais sans plus c'est pour les figurines. Pas possible ouais en effet. Attendez, je vais regarder vite fait. Sortez la porte de l'ouest. Ok, il faut sortir à l'ouest de la CDE. On se doit être. Voilà. On va chercher le verre. Ah, mais ta mère! Oh non, mais j'en prends l'arme, tu es sérieux? Non, je vais pas regarder, j'ai pas fait attention. Voyez là. Voilà, là on peut se doubler. Se doubler. Voilà. Super. Super, 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 tiens. Les coquillages, j'aime les coquillages. Oh. Cassez-vous les moches. Je vais manger à plus tard. Salut. A plus. Moi de toute façon je vais faire encore la petite dizaine de minutes pour terminer l'épisode et après je changerai de jeu je pense. Alors sur quoi on va aller j'en sais rien. Ça dépend ce que vous voulez voir. Comme vous voulez. Bonjour, je suis Poemon, le grand poète d'Hyrule. Je crois savoir que tu t'appelles Link, n'est-ce pas? J'ai parcouru le royaume tout en compensant mes poèmes en chemin. Je voulais rentrer chez moi après ce long périple, mais la route est bloquée. En plus, j'ai trouvé deux fragments qui s'emboîtaient. J'en ai perdu un. J'ai dû le perdre à l'auberge hier soir, c'est vraiment pas de chance. Ah, et puis flûte, je craque. Il faut que j'exprime ma peine avec un poème. Je m'ai quitté petit fragment en plongeant mon cœur dans le tourment. Inaccessible telles les étoiles qui de la nuit égayent la toile. Je dois pas l'avoir. Ton fragment. Désolé. Désolé, bisous. Je peux pas échanger avec elle. Ah ah, là on peut pousser ici. Nickel. C'est fait. Bois de l'Ouest, ça y en y est. Attends, j'ai senti comme une étrange aura provenance du château. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, c'est encore l'auteur. Putain, mais c'est cheaté, il peut se TP. Que se passe-t-il? Vati, comment es-tu entré ici? Ok. Non, non, ça c'est de la fainéantise, mec. Ça c'est de la grosse fainéantise. Tu peux pas juste te TP comme ça, tu peux marcher, non? Comme tout le monde. Et que fais-tu? Il va le transformer en pierre, lui aussi. What the fuck? Si tout le monde est présent, le roi Hyrule va parler. Vous devez connaître la force et les mini-chons que les mini-chons ont jadis confiés aux humains. Cette source de magie infinie que certains appellent la lumière d'or. Elle se trouve forcément quelque part à Hyrule, il me la faut. Mettez-vous immédiatement à la recherche de la force. Et ne traînez pas, ramenez-moi vite la force. Ceux qui désobéiront seront jetés au cachot avec leur famille entière. Dépêchez-vous, passez-moi Hyrule au peigne fin. Il a été possédé, les enfants. Enfin, j'ai des idées, j'espère qu'il ne sera rien passé de grave. Mais cherchons plutôt l'élément, il y en a un pris ici. À sa maman. Et comme ça on peut débloquer le passage. Voilà, nickel. Quoi?
de l'argent. Toujours récupérer l'argent des gens. Marraine Tarantia, ne payez pas vos bottes de Pégase. J'en ai pas, mais... À moins que je puisse aller au sud. Je vais voir. Si je peux aller par là, je vais voir. Bon, je sens qu'une botte de Pégase, elle se récupère genre ici. C'est obligé. Faut pas prendre mon truc coincé, je préfère... C'est pas où par là. Ok, super. Ah, un arbre. Salut Narvar, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. C'est la femme. Ah ah, bon appétit. Allons voir ça. J'ai planté un haricot près de ma maison là-bas, mais il refuse de pousser. Ah! Faut shooter de l'eau, c'est ça? Oh non! Mais non, mais j'ai pas le temps. Mais bon, ça va très bien. Bon, ça va très bien. Vas-y, faut aller chercher de l'eau, c'est sérieux. Hein. En plus, je suis même pas sûr que ça fonctionne. Parce que, bah, par contre, attendez, là, il y a une maison, d'accord. Comment je l'attends, cette maison? Bonjour, là, il y a du monde. On va essayer de renverser de l'eau dessus, mais franchement je suis pas sûr que ça marche. Ça paraît bizarre en fait. Y'a pas de réception, enfin je sais pas. Bref, on va essayer, on va voir. Ça me paraît bien. Ouais, voilà. C'est ce que je pensais, parce qu'en fait il est gris. Si l'eau avait fonctionné, il aurait dû être bleu, je pense. Comme on avait vu sur les autres haricots qu'on avait poussé au Mongogol. Je vois un petit lumière. Marais de Tabanta. Voici donc le marais de Tabanta. C'est pas très accueillant. Mais un élément nous attend en dehors du marécage. Allez, il faut pas traîner. Je pense qu'il y a une chose à avancer. Ok les enfants, je pense que c'est ici qu'on va s'arrêter du coup. Donc on sauvegarde évidemment, toujours sauvegarder, hein, pas oublier comme d'habitude. Donc voilà, comme ça il nous restera à faire le marais pour chercher autre élément. Voilà, donc aujourd'hui on a quand même réussi en un live et 3 épisodes à trouver l'élément, à faire avancer l'histoire, à trouver des bonus, donc je suis content. Voilà. Donc YouTube, des bisous, on se retrouve très vite pour la suite de The Milish Cap, la semaine prochaine normalement. En attendant, portez-vous bien les enfants, et des bisous à vous. Salut !